Bonjour tout le monde, Jean-Paul avec vous aujourd'hui pour une nouvelle session de trading sur la plateforme Pocket Option. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon canal Telegram. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter la vidéo qui va suivre. Et puis vous pouvez aussi ouvrir un compte démo gratuit sur la plateforme Pocket Option. A tout de suite. Que c'est bon. Ok, donc aujourd'hui nous allons regarder les divers indicateurs qui vont nous aider. On choisit comme d'habitude les bougies. Et puis au niveau des indicateurs, on va prendre le fractal et la moyenne mobile. Et donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que l'indicateur RAND nous montre qu'il y a une tendance baissière. Et donc, on est en train d'attendre le résultat du premier trade. Encore une fois, on voit bien que la tendance baissière était assez prolongée et que donc, malgré le rebond qu'il y a eu juste quelques instants auparavant, là, je pense que les indicateurs nous indiquent que cette tendance baissière va continuer. Attendons de voir le résultat. Ok, normalement, c'est bon, c'est fait. Voilà, c'est bien. 182$ de gain, donc c'est bien parti aujourd'hui. Je prends une option d'achat à la hausse, tout simplement parce que j'attends un rebond vers le haut. En fait, ici, la ligne, le niveau du support a été atteint et que donc, normalement, la tendance haussière va se confirmer et c'est pour ça que j'ai pris une option d'achat à la hausse. Attendons de voir le résultat. Ok, il nous reste quelques instants, mais là, on voit bien que, comme on l'avait dit, il y a un rebond et c'est bon. Continuez. Et donc, c'est pour ça que, encore une fois, je prends un call, une option d'achat à la hausse. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes au-dessus des moyennes mobiles et que donc, je pense que cette tendance va perdurer. Et donc, option d'achat à la hausse. Ok, et donc il nous reste quelques secondes, mais là on voit encore une fois parfaitement sur notre graphique que c'est bon, 653$ de gain, haussière très très prononcée, qui normalement va continuer, donc il n'y a pas de raison d'essayer de changer les choses. Donc j'ai pris encore une fois un call, une option d'achat à la hausse, et bien tout simplement parce que les bougies nous indiquent qu'après la tendance baissière qui a eu auparavant, bah là tout simplement, voilà, on est sur un moment ascendant, on est sur une tendance haussière qui, normalement, je pense, devrait se confirmer assez facilement. Attendons de voir. Il nous reste quelques secondes, là c'est tendu. Je pensais que tendance haussière serait plus annoncée. Oh, finalement, match nul. C'est assez rare que j'ai pris encore une fois une option d'achat à la hausse. Normalement, nous sommes au-dessus donc des moyennes mobiles et que donc, encore une fois, moi, ça, je suis sûr que cette fois-ci, tout devrait se passer pour le mieux. Attendons de voir le résultat. Ok, il nous reste quelques secondes. C'est encore un petit peu tendu. Néanmoins, c'est bien joué. 1253. Ok, donc voilà, maintenant encore une fois 1254, c'est fait. Et là, je suis en train de voir que, encore une fois, voilà, j'ai pris un call, une option d'achat à la hausse. Tout simplement, pourquoi? Bah, parce que il y a eu un moment de consolidation qui a été plus ou moins fait. Et que là, normalement, le marché devrait repartir vers la hausse. Les acheteurs sont, comment dirais-je, en force. Et donc, encore une fois, on est en train de percer, on a percé les deux moyennes mobiles. Et tout ça m'indiquait qu'il devrait y avoir une tendance haussière. Ok, il nous reste encore quelques secondes, mais là, c'est parfait, c'est très très bien parti, beaucoup mieux que précédemment. Et voilà, 2269. Ok, maintenant on est sur la paire de devises euro-USD. Et donc là, bah, on voit très bien qu'il y a une très très forte tendance à la hausse. Nous n'avons pas de raison de ne pas suivre le marché. Encore une fois, on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc c'est pour ça que là, je prends un call et option d'achat à la hausse. Cette bougie rouge là, je pense qu'elle va devenir verte normalement. Encore une fois, pourquoi? Bah, tout simplement parce que la tendance haussière est assez continue et que donc il n'y a pas de raison pour que cela change maintenant.
Ok, c'est bien parti. Je pense que ça va être bien vu. Oui, c'est gagné. 4 358 $ de gain. On a bien vu le coup. Voilà, c'était Jean-Paul avec vous aujourd'hui, encore une fois, pour une session de trading sur les options binaires avec sur la plateforme Pocket Option. N'hésitez pas non plus à ouvrir votre propre compte démo gratuit sur la plateforme Pocket Option. Et moi, je vous dis à bientôt.